Voilà. Bonjour à tous. Il est pour moi, à mon horloge, 10h28 pour le cours de karaté traditionnel qui doit commencer à 10h30. Donc, je suis super content parce qu'après un énorme problème technique mercredi matin dernier qui fait que je pense qu'on en a squeezé pas mal parce que on a commencé avec presque une demi-heure de retard, eh bien, j'ai pu résoudre le petit problème technique que j'avais sur l'ordinateur. Comme quoi, en achetant local plutôt qu'en achetant sur Internet, l'avantage c'est qu'il y a un service après et on peut effectivement aller voir les vendeurs qui nous conseillent, qui nous aident, qui nous dépannent en un temps record. Donc pensez-y bien en cette période un peu particulière. Les commerces vont réouvrir samedi. Acheter local, c'est important. Voilà, je vois que quelques-uns sont en train de se connecter. Soit c'est des gens qui vont s'entraîner avec nous, soit c'est des curieux qui passent par là. Donc je vous rappelle, il est 10h29. Le cours doit commencer à 10h30. Je suis mal placé pour être rigoureux là-dessus. Donc, pour ceux qui revisionnent cette vidéo avec du retard, parce que beaucoup ensuite font l'entraînement un peu plus tard dans la semaine, on va s'accorder 5 minutes, le temps de se dire bonjour, le temps d'arriver, de se connecter pour tout le monde. Et donc, il est 10h29. J'aimerais bien qu'on commence à 10h35. Donc, tous ceux qui revisualisent cette vidéo pour s'entraîner un petit peu à la maison sur le thème du karaté traditionnel, vous n'hésitez pas à décaler de 5 minutes. On va commencer dans 5 minutes. Salut Sophie, j'espère que tu vas bien. Alors, il faut que je regarde. En ce moment, j'oublie énormément mon portable. Il faut que je regarde s'il y a des gens qui ont essayé de me contacter sur le portable, mais je crois que j'ai oublié le téléphone. Salut Philippe, j'espère que tu vas bien. Jamais en retard aussi. Si, si, moi aussi, toi, tu sais bien en plus. Mais encore plus sur le mercredi matin dernier, c'était une catastrophe. Petit problème informatique, mais il faut choisir, hein. On est sportif ou on est intellectuel. Salut Claudine, j'espère que tu vas bien. Donc c'est bien, tout le monde est en train de se connecter. Je crois vraiment que j'ai oublié mon portable. Je vais vérifier 2 minutes là, mais s'il y en a qui essayent de me joindre sur le portable, ce sera compliqué. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, j'ai pas le téléphone portable. Donc, il y a que ceux qui vont pouvoir communiquer avec moi, avec qui on va pouvoir échanger. Et puis, on sait que cette séance-là, ben, il y a tous ceux qui sont au boulot ce matin. Alors, certains bossent à la maison, ils peuvent s'aménager un petit temps pour s'entraîner. D'autres sont bloqués et ne peuvent pas travailler. Et puis d'autres, je crois que Corinne sera avec nous ce matin aussi, normalement, elle m'avait demandé. Et puis aussi, il y a tous ceux qui feront, tout va bien pour Sophie, voilà. Et puis, il y aura ceux qui feront la séance plus tard à la maison, ce soir, le week-end, etc., pour s'entraîner un petit peu. Alors, à chaque fois, je rappelle le principe. On appelle ça karaté traditionnel. En fait, je m'inspire d'un kata. Je travaille pas trop sur le kata, mais je travaille quelques petits thèmes que m'inspire le kata, justement. Et on essaye de transpirer un petit peu, pratiquer tous ensemble. D'accord, rester un petit peu réglé parce que vous avez compris que autant pour nos jeunes, la situation va se décanter courant décembre et vont arriver vers une reprise, un retour à la normale, autant pour nous adultes, ça risque d'être à partir de la mi-janvier ou du 20 janvier, même si vous allez pouvoir bouger en plein air et faire un petit peu plus de sport. Mais par contre, dans le cadre des clubs, je crois que ce sera plutôt pour la mi-janvier. Et donc c'est important qu'on garde cette habitude et surtout que on garde nos réflexes, cette capacité de travail, de concentration, hein, en faisant bosser son corps à travers ce petit cours-là. Voilà. Tout compris, Sensei. Pourquoi choisir? Alors là, j'ai rien compris. Mens sana in corpore sano, c'est de l'espagnol, ça. Un corps sain dans un esprit sain. Voilà. Ben ouais, moi, c'est ce qu'on dit. Bon, en ce qui me concerne, quand même, je vais courir 1 heure par jour parce que mon corps, il est moins sain en ce moment. Il faut que je me reprenne un petit peu. Donc, il y a eu du laisser-aller ces derniers temps. Donc, depuis 2 semaines, j'essaye de me reprendre en main. Voilà. Donc, on attend un petit peu, tranquillement. Grâce au FKS, ouais, mais c'est ouvert à tout le monde. Hein. Tout le monde peut venir s'entraîner, il n'y a pas de souci. Je vois que la Ligue essaye de monter, je crois, aussi des vidéos. Mais les notes sont gratuites, hein. C'est pas réservé aux adhérents. C'est ouvert aussi à tous les abonnés, tous ceux qui veulent se tenir au courant et pratiquer. Et il m'est arrivé en ce début de saison de croiser en compétition nationale des arbitres, des responsables, des choses qui m'ont dit bah, merci Christophe, grâce à toi, j'ai pu m'entraîner un petit peu à la maison. Donc voilà. Et tu en es la preuve, Philippe.
Donc voilà, donc ça va être un cours très cool, hein. Pensez pas que ça va être un cours compliqué, ça va être un cours difficile, mais ce n'est pas forcément facile de se motiver tout seul pour bouger, quoi faire, réviser ses katas, des trucs comme ça. Bon, ben, c'est quand on est dans le cadre d'une dynamique avec quelques directifs et quelques thèmes de travail, ça nous oblige à bouger. C'est ça, dit Claudine. Voilà, je suis en train de papoter, il est 10h33, on s'accorde encore 2 minutes. D'accord, sachant que le dernier, ben, c'était comme ça, on était, je sais pas, on devait être une petite dizaine mercredi dernier à le faire, mais au bout du compte, il y a plus d'une 70 personnes qui ont regardé la séance de mercredi dernier, celle d'avant c'était 140, je crois. Donc voilà, il y a tous ceux qui vont le faire en direct et je suis content de passer ce petit moment avec vous, et puis tous ceux qui le feront après. J'espère que chez vous, vous êtes bien bien installés. Il fait super bon parce que franchement, ici, il caille, c'est un truc de fou. Donc c'est pas simple, mais je ferai de mon mieux. Allez, dernière petite minute, et je vais arrêter de parler, et on va se mettre en mouvement dans moins d'une minute. Voilà, c'est parti. La pratique va se mêler à l'échauffement. On ne part pas sur un quart d'heure d'échauffement parce qu'après, il ne reste plus rien en temps de pratique. On va essayer de pratiquer assez vite sur 3, 4 thèmes de perfectionnement de notre pratique. On commence pieds joints, les mains sur les genoux et sans décoller les talons, on essaye ici de plier et de tendre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, on continue à bien plier, on fait des rotations de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, la semaine dernière, on a travaillé un petit peu sur les Zenkutsudachi. Première position, Sophie, de base, hein. D'accord? Fondamental pour ceux qui commencent. On se met dans ce Zenkutsudachi, le genou bien à l'aplomb ici, et on tient seulement 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ici, on va essayer de ne pas monter. D'accord? Rester bas, rester droit, et de regrouper les pieds parallèles, écartement des épaules, pour reculer notre jambe et tenir 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, même principe pour continuer à échauffer les membres inférieurs. D'accord? Je vais compter. À chaque fois, on va grouper. Le bassin ne devra pas avoir monté. Les talons ne devront pas être décollés. Les genoux dans l'axe pour reculer nos jambes. On y va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, restez bien droit, hein. 7, 8, 9, on ne monte pas, mais on ne sort pas le bassin pour autant, 10, et on relâche en sautillant un petit peu sur place pour tout le monde. On va refaire la même chose en plus dur. Ne pas monter, rester droit, ne pas décoller les talons, ça va être beaucoup plus difficile en reculant. Allez, un petit peu de hanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talons aux fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Montez de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc regardez bien, le principe est le même. Vous voyez bien ici. Je ne monte pas, je reste droit, je ne décolle pas les talons, mais cette fois-ci, c'est par l'arrière. Et à chaque fois, mettez de l'ordre dans ce que vous faites, d'abord le pied, puis la jambe qui se tend. Je ne monte pas, je reste droit, talon au sol, pied, jambe qui se tend pour verrouiller le tout. On y va? 10, 1, 2, 3. 4, pieds verrouillés. 5, 6, pieds verrouillés. Ceux qui sont les plus habitués, quand vous groupez, commencez à mettre un petit peu de hanche. 7, 8,
9, 10, encore, 1, verrouille hanche, 2, étend, 3, 4, pied étend, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on relâche. Allez, on fait tourner un petit peu les hanches, tranquillement. Dans l'autre sens. Allez, les bras sont en haut. Rotation et je reste en haut à chaque fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Même chose, mais cette fois-ci, la rotation est par l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Même chose, mais maintenant un bras par l'avant, l'autre bras par l'arrière pour regrouper. La fois d'après, j'inverse le sens. Prêt ? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, maintenant très tonique, je serre et je tends les poings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on revient un petit peu sur mon travail de posture. Souvenez-vous, on était là, je vous avais parlé de 3 zenkutsu. Le zenkutsu normal, un zenkutsu un petit peu plus long, pied un peu sur la même ligne de profil, d'accord ? Et un zenkutsu un peu plus court, celui qu'on retrouvait dans le kata yanidan, que j'espère les ceintures blanches, jaunes auront refait, ou même des un petit peu plus gradés. On va garder que les deux premiers. Prêt ? Le premier, hanche de profil, pied sur la même ligne, 1. Je suis bien penché, penché comme ça. Le deuxième, normal, 2. Je reste de profil. Je ne suis pas de face, je reste de profil. Puis maintenant, on va penser à ce qu'on vient de faire à l'échauffement. Sans temps d'appel, sans monter, j'avance ici. On y va ? Vous allez tous tendre la jambe gauche devant. Allez, 1, profil. 2, redresse, une bonne largeur de zenkutsu. 3, avance sans temps d'appel. Ok, on reprend ça. Toujours jambe gauche devant. Profil. Redresse avec une bonne largeur. Sans temps d'appel, avance. Les plus débutants, Sophie. Profil. Sans temps d'appel, j'avance. On est dans le premier kata que tu as appris juste avant le confinement. D'accord ? On est vraiment sur des bases. Les plus gradés, je pense que déjà vous commencez à voir un peu où je veux en venir. À ce travail-là, on rajoute maintenant les bras. Blocage, 1, profil, 2, redresse, puis sans temps d'appel. J'insiste, d'abord pas de temps d'appel. Ensuite, le pied qui pose, et enfin, verrouillage du tsuki et de la jambe arrière forte. On y va pour ce travail. 1, 2, 3, voilà, j'espère que vous avez tous bien compris. Je ne parle plus. Ensemble, on essaye de se faire ça 5 fois. 8. 9. 100. Et on revient. Deuxième. 8. 9. 100. Et on revient. Troisième. Et. Ni. Sans. Quatrième. Et. Ni. Sans. Cinquième. Et. Ni. Sans. Stop. Sur ce travail-là, on ne va pas changer de côté. Parce qu'en fait, je vais vous faire quelque chose de plus compliqué que ça. D'accord ? Donc d'abord, on va faire du compliqué. Et ensuite, on essaiera, si on peut,
de voir dans l'autre garde ce que ça donnerait si on est capable de s'adapter, et ce ne sera pas facile. Je vous ai parlé des postures fondamentales. Je vous ai parlé ici, celle-ci, le dérivé plus classique du Zenkutsu. Comment se déplacer? En fait, il en existe une autre qu'on voit à partir de la ceinture verte, bleue. C'est une sorte de Zenkutsu amplifié par le fait de ramener le pied avant. On le retrouve dans plein de moments. On appelle ça Kozadachi. Certains appellent ça Kakedachi. Alors, ça peut sembler... ouais, c'est un cours traditionnel, mais enfin, on est très très loin du combat. Pas du tout. En réalité, il y a une vraie signification. Regardez bien. Ma cible, je suis hors distance. D'accord? Si je ramène mon pied arrière, je suis en distance. Encore, je reprends, regardez bien. Je suis trop loin. Si je frappe, je suis encore trop loin. Mais si je ramène pied arrière, je suis dans la distance. Donc, il y a un vrai intérêt stratégique. Pour combien de distance, là, ça paraît pas réaliste, mais moi, mes combattants, ils frappent pas qu'ils aient mis comme ça. Je les fais toujours suivre avec le pied arrière, le principe du Kozadachi, qui fait qu'ils frappent beaucoup plus loin, et ils surprennent souvent tous leurs adversaires par l'amplitude de leur coup de poing. C'était une parenthèse. Et donc, on va essayer de faire ça. Je bloque, j'avance tout qui, et là, en même temps que je ramène le pied arrière, yakutsuki pour trouver une stabilité. Quand vous le faites, c'est souvent une catastrophe parce que vous essayez d'arriver les deux pieds en même temps. Là, on va décomposer pour être fort et stable. Je dis plus rien, on y va. Je le fais de dos. Hic. Hic. Ça. Ici, je vais frapper du gauche en ramenant mon pied arrière. Hic. Vous devez bien installer le gauche du pied, talon décollé pour être stable et fort. Et je reviens une deuxième fois. Je le fais de profil pour vous. Nick. Ça. Maintenant, je gagne en profondeur. Chi. Et je reviens. Troisième fois. Nick. Ni. San. Chi. Faites bien coordonner le moment du pied arrière et le moment de la frappe. Quatrième. Ich. Ni. San. Chi. Dernier. Ich. Ni. San. Chi. Stable. Et il relâche. Donc souvent, dans vos katas, certains connaissent Yan Yodan, mais après on retrouve ça dans les coups chauds, dans plein de katas supérieurs, parce qu'il faut essayer de grouper presque en même temps. C'est fait n'importe comment et on n'est pas stable. Là, on a décomposé, décomposé pour trouver une vraie stabilité. Pareil. Dans le kata que j'évoque, mais il y en a plusieurs, vous jouez au show ou autre, on rajoute un soto-hoke. Le fait d'arriver tout en même temps nous fait faire souvent n'importe quoi avec zéro sensation. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ce soto-hoke de manière décomposée après pour qu'il y ait une vraie bonne trajectoire, un vrai kimé. D'accord ? Donc, ça donne ça. Un derrière. Deux, je reviens. 3, je frappe. 4, le point. Et maintenant, j'arme. Ce blocage-là, c'est, je le demande pour la ceinture orange. Soto-hoke. OK ? On y va ensemble ? Je le fais de dos pour que vous puissiez vous représenter dans l'espace. Ni. J'avance coup de poing. Ça. Je frappe du poing arrière. Chi. Prépare le soto-hoke. Go. OK. Quand vous faites soto-hoke, vous devez bien effacer tout le corps. Votre bras qui est ici, le poing doit venir en face, l'épaule opposée. Deuxième, je le fais de profil.
San Chi Go. Et on revient. Troisième, je suis de face. Ni San Chi Go. Allez, on tient le rythme. Quatrième. Ich. Ni. San. Chi. Go. Cinquième et dernier. Ich. Ni. San. Go. Et on relâche. Alors certains commencent à dire, oh là, il s'est inspiré du kata Gujushiosho, kata supérieur du cinquième dan. Et je pense que la majorité se disent peut-être que ça ressemble aussi un petit peu au kata Enpi. On va refaire la même chose. Sauf que quand je suis là, je ne vais pas ramener mon bras, je vais le laisser devant. Alors moi, quand on me l'a appris, on me disait que c'était en bas. Et je me rends compte que tout le monde fait au ventre maintenant, donc je tendance à faire un peu monter les poings. Maintenant, au lieu de ramener, je vais laisser tendu, ce qui veut dire que d'ici, je ne vais pas aller me replacer, je vais enchaîner. Derrière, redresse, oil to key, frappe, bloc. Et à nouveau, je vais enchaîner et on va se faire un cycle de 5. Oui, oui, ça se complique, mais même si vous êtes un peu en difficulté derrière l'écran, bah, le but, c'est ça aussi, c'est de se mettre un peu en difficulté, ne pas faire que réviser les choses qu'on connaît par cœur pour ne pas les oublier, mais toujours être dans une capacité de s'adapter. Et le karaté, c'est ça. On y va ensemble. Ich. Ni. San. Chi. Go. Et là, on enchaîne. Ich. Ni. San. Chi. Go. Troisième. Ich. Ni. San. Chi. Go. Quatrième. Ich. Ni. San. Chi. Go. Cinquième et dernier. Ich. Ni. San. Chi. Go. Tire. Et relâche, souffle bien. Alors non, on n'ira jamais faire NP ce matin, ce n'est pas le but. Les gens qui ne connaissent pas NP, qui sont plus débutants, ils apprennent le déplacement, le Hoitsuki, le Zenkutsu, ils découvrent une nouvelle position. Donc, ils travaillent à leur niveau. Les gens qui connaissent l'Enpi, les katas supérieurs, ils reperfectionnent leur karaté et reverront peut-être l'Enpi d'un regard nouveau. C'est le but, d'accord? Puis ceux qui sont pile poil en période de pouvoir l'apprendre, c'est idéal. Le but vraiment, c'est que tout le monde y trouve son compte dans cette petite séance. Moi, je fais Nagashiuke. C'est-à-dire que au lieu, tu ramènes comme ça, tu développes, tu bloques moins avec l'avant-bras. Et tu as l'idée du blocage main, tu me diras, Rafik, je sais qu'il y a quelques petites variantes, hein, de toute façon. Hein. Moi, je vous dis, moi, les miennes, telles que je les ai conservées, d'accord? Mais il y a des petites variantes, des manières de faire. Après, ce qui m'intéresse, c'est qu'on travaille, on perfectionne, on s'adapte. Et donc, tout ce que je viens de vous dire, on fait pareil de l'autre côté. Ce sera peut-être un peu le bazar chez vous, mais on essaye. Yes, voilà. On essaye, il y a plusieurs variantes, de toute façon, hein, dans tous les mouvements, et ça, c'est bon à prendre. On essaye de tout transcrire de l'autre côté. Ça risque d'être la galère, mais c'est le but. Se mettre un peu dans le rouge et travailler sur son corps. Je bloquais de mon bras droit. Je vais essayer de bloquer mon bras gauche. Si vous voulez, je vous tourne le dos pour le premier. Ni. San. Chi. Go. Deuxième.
Ni. San. Chi. Go. Troisième. Ik. Ni. San. Chi. Go. Quatrième. Ik. Ni. San. Chi. Go. Cinquième et dernier. Ich. Ni. San. Chi. Go. Et je termine. Vous pouvez me dire le temps que vous prenez une gorgée d'eau, si c'est pas assez facile ou si c'est la grosse galère. J'y arrive une fois sur quatre. Moi, j'ai déjà la réponse, Sophie. Ouais, ça fait travailler la coordination. D'abord, j'apprends d'un côté. Et après, alors ça fait partie, quand on dit dans ce cours-là, karaté traditionnel. Bon, ben, une des grandes manies, mais c'est intéressant pour le corps, mentalement, etc. C'est de se dire, quand je fais un kata dans un sens, je le fais également dans l'autre. Toi, Sophie, tu viens pas le mercredi matin, mais au cours karaté bien-être, on fait beaucoup ça. Quand on a mémorisé un kata, on fait ensuite dans l'autre sens, puis à reculons, etc. Ça se pratique beaucoup dans le karaté traditionnel parce que c'est un vrai travail sur soi-même. C'est un peu compliqué pour ma part. Alors là, maintenant, Claudine, on va essayer. On est sur des blocages, des coups de poing, des choses simples. Hein. Les connexions neuronales, ouais, comme dit Philippe. Il est formateur, Philippe, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, il connaît bien tout ça. Je ne vais pas compter. On va essayer 5 fois. Vous pourrez copier sur moi. Ça ne demande pas beaucoup de place. Mais 5 fois, ceux qui peuvent le faire à fond... Je pense qu'on n'est peut-être pas dans l'intensité d'un kata, mais on s'en rapproche. Donc, dans un effort physique plus consistant. Je ne vais pas compter. Ceux qui ont du mal, vous irez doucement. Vous prenez votre meilleur côté si vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est que certains se fassent un petit peu mal en tapant, en se mettant dans le rouge. D'accord ? On y va maintenant. Yoï, si vous voulez aller plus doucement, vous allez plus doucement et du côté qui vous va le mieux. Je vous laisse terminer, je vous laisse prendre la gorgée d'eau et on enchaîne ensuite sur un deuxième travail. Bon, on a commencé en parlant des postures, mais on était surtout sur des enchaînements qui font penser un petit peu à NP et découvrir une nouvelle, le Kosalachi. Là, je voudrais qu'on vienne sur un principe de base, des postures, dans notre style à nous, qui est le style Shotokan, elles sont toutes de la même longueur. Ensuite, on a des positions plus rapprochées pour des questions tactiques, je vous en parlais tout à l'heure, mais sinon, elles sont toutes de la même longueur. Regardez bien, les postures de la ceinture jaune, Zenkutsu, le Kukutsu ne doit être ni plus grand ni plus petit. Il doit garder la même longueur. Ensuite, à partir de la ceinture verte, on retrouve le Kibalachi. Même longueur. Et je vous dis parfois, d'accord, on a des postures plus regroupées. Je vous ai expliqué pourquoi, d'accord, mais pensez bien aussi, on le retrouve dans d'autres arts martiaux, y compris dans le karaté, que des regroupés peuvent faire mettre des pivots, des clés de bras, des projections, etc. Donc, cette posture nouvelle, elle a un vrai intérêt. Donc, on va faire ce travail-là. Première posture de base, Zenkutsu. Je vais ramener mon pied, m'obliger à rester de la même longueur. Puis passer en Kibalachi, corps au milieu, toujours même longueur. OK ? Regrouper.
Et là, on va faire un truc un peu dur. On va essayer de tourner pour se repositionner. On essaye ? Fente avant. Je garde la même longueur. Fente arrière. Je garde la même longueur. Kibalachi. Je regroupe. Et ici, regardez bien. Grâce à cette posture nouvelle, je peux pivoter pour revenir. Puis sans monter comme au moment de l'échauffement, je change de jambe. Fente avant. Même longueur, kukutsu. Même longueur, kibalachi. Nouvelle posture, kosalachi. Qui peut nous me permettre notamment de tourner. Pour revenir, pas facile. Sans monter, change de jambe. Ok ? On recommence, je me fais de profil que vous voyez bien. Fente avant. Fente arrière, cette fois-ci, c'est le genou arrière qui est à l'aplomb. Kibalachi, corps au centre, les deux pieds parallèles. Regroupe. Kosalachi, on est bien sur la balle du pied. Et là, pivote pour revenir. Sans monter, change de jambe. Fente avant. Fente arrière. Kibalachi. Regardez mon pied, hein, c'est comme si je faisais un malgiri. Je croise et je suis toujours aussi bas. Tourne et reviens. Ok ? On vient de le faire deux fois. On va le faire une troisième fois. Ce que j'aimerais bien, c'est sentir qu'il y ait un dynamisme et surtout un verrouillage. Ce n'est pas trop pour propulser, c'est surtout pour verrouiller l'ensemble du corps à l'arrivée. Vous êtes là, essayez de verrouiller vos hanches à la fin du kukutsu. Vous êtes là, un petit cran de plus de verrouillage en kibalachi. Vous êtes là, verrouillez bien ici, pour tourner et revenir ensuite. On essaie d'avoir un petit quelque chose en plus ici. Troisième. Et tu... Ni. San. Chi. Regroupe. Change. Du zenkutsu, je passe en kukutsu avec hanche. Et. Puis à nouveau hanche, petit cran supplémentaire. Ni. Regroupe. San. Chi. Et je relâche. Ce qui détermine le moment où je mets mes hanches pour les verrouiller, c'est le moment où je pose le pied, c'est le moment où je fixe mon attention. Et tout ça s'unit avec la respiration et l'expiration. Attention, ça ne doit pas être sonore. Il ne faut pas trop racler la gorge, des choses comme ça. Mais on doit sentir qu'à chaque fois, il y a ce travail qui unifie la technique, le corps et l'esprit. On dit Shingitai, ça s'appelle. Quatrième. Ni. Sa. Chi. Changement de garde. Et. Ni. Sa. Chi. On revient. Il en reste un. Donc si on pense à ça, si on pense à la respiration, si on pense à l'ensemble, on a besoin de fixer son regard. Essayez de ne pas regarder l'écran sur la dernière série. Position. Et. Mit. Sort. Chi. Change. Et. Mit. Sort. Chi. Et relâche. Bon, voilà, en fait, ce n'est pas du tout un travail de posture que je vais vous faire faire. On peut s'inscrire. Ce n'est pas un travail de posture, ce que je veux, c'est que vous fassiez un travail de jambes. Alors, on en a parlé un petit peu, on a beaucoup travaillé avec les athlètes. Quand vous faites Maïguéri, vous ne devez pas faire des temps d'appel. Je crois qu'on l'a évoqué la semaine dernière. Vous ne devez pas faire des temps d'appel, le pied doit rester à plat. D'accord ? Il doit rester dans l'axe. Après, on peut compenser avec une glissade.
Pour engager les hanches, on peut ouvrir un peu le pied, mais très légèrement. Très légèrement. Ce qui se déplace à chaque fois, c'est le talon. Mais il faut que ce soit très très léger. Pas trop ouvrir le pied d'appui. Alors on va faire juste ce petit exercice pour comprendre ce qui se passe dans notre corps et ce qui va devoir se passer quand vous pratiquez. Vous avez les pieds comme ça en nashijilachi, je vais peut-être même dire un peu ekolachi, d'accord ? Et on va simplement rentrer les talons, mais en essayant de bien s'enfoncer dans le sol, ici, sentir que les talons qui rentrent se fixent bien dans le sens, dans le sol, les pieds vont s'ouvrir, mais un tout petit peu. Prêt ? Je sais, ça fait bizarre. 1. Vous avez vu, je me tasse un peu, hein, on s'enfonce. 2. 3. 4. 5. 6. N'ouvrez pas trop, hein. 7. Et c'est bien les talons qui rentrent. 8. 9. 10. Voilà, si vous avez senti cette petite sensation-là, d'accord, il faut maintenant la trouver dans votre coup de pied. Regardez, j'étais en zenkutsu dachi. Si je garde mon pied dans l'axe, c'est pas bon. Pire, je vais probablement décoller un peu le talon. Si j'ouvre trop mon pied, c'est encore pire, c'est très mauvais. D'accord, il faut légèrement ouvrir pour permettre à la hanche de passer. Et donc, cette sensation-là, du talon qui rentre, et qui s'ancre dans le sol, on doit ici la retrouver. Allez-y, placez-vous. On en fait 3. 1. Vous ne bougez pas avant. C'est au moment où vous frappez que vous retrouvez cette sensation-là. 2. 3. J'insiste sur le fait que ça doit être minime. OK ? Ensuite, j'étais en zenkutsu dachi, je passe en kukutsu dachi sur l'arrière. Là, mon poids de corps, il est là. Pour faire un mawashigiri, c'est pareil, ce n'est pas suffisant. 90 degrés, ce n'est pas suffisant. Il va falloir que je retrouve cette sensation-là pour passer encore plus ma hanche et faire mawashigiri. D'accord ? Je suis ici, pied perpendiculaire, comme on fait. Je dois rentrer, et c'est bien le talon, ce n'est pas les orteils, rentrer mon pied pour passer plus facilement ma hanche en mawashigiri. Vous n'êtes pas obligé de le faire trop, on n'a pas beaucoup étiré. Prêt ? 3 fois. Rentre, fouette. Rentre, fouette. Rentre, fouette. OK. Troisième. Je suis en kibarachi, ça nous fait penser un petit peu à Mijushio. Mes pieds sont parallèles. Ça ne suffit pas. Vous êtes plein de faire des yokogiri sans bouger de pied. Ce n'est pas bon. Il faut, pour mettre de la hanche, que cette hanche se mette au moment où, là encore, le pied va s'ouvrir davantage grâce au talon qui vient à l'intérieur, rentrer, puis revenir à nouveau avec un juste placement. On se met en kibarachi. On essaye. Ceux qui font du Jushio, vous en avez besoin. Définis bien le talon. Rentre et ramène le talon. Je sais que Anne aime bien faire ce cours après le diffuser. Parfois, Anne, tu ne ramènes pas ton talon ensuite. Un deuxième. Talon, défonce, pose et ramène le talon. Troisième. Talon, pose et ramène le talon. Voilà. Enfin, je vous disais, le kosarachi, il permet de pivoter. Ben, n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous voulez, mais on va essayer d'étirer un petit peu tout ça pour ne pas se blesser. Allez, écartez les jambes. Main dans le dos. Et simplement, on va tenir une posture comme ça, à l'horizontale, en serrant bien le transverse, et on ne va pas sentir que ça tire derrière les ischios et que ça chauffe un petit peu les adducteurs déjà. On ramène doucement,
Allez, on fait quelques arcs de cercle, intérieur, extérieur. Et maintenant, on commence un petit peu à déployer la jambe, bien préparer la machine à ses coups de pied. Maintenant, c'est genoux pliés, mais extérieur, intérieur. Et de la même manière, on commence un peu à tendre la jambe. Voilà. Bon, j'ai présenté l'objectif. Des postures de base qu'on a rappelées. On essaie de trouver le positionnement du pied d'appui pour permettre la hanche et la stabilité du tout au moment des coups de pied de base. Ça fait ça. Puis je change de jambe pour faire pareil de l'autre côté. Ouais, c'est un petit peu plus difficile. Prêt ? Zenkutsu. Ich. Repose derrière. Kukutsu. Mawashi, jambe avant. Ni. Kimarachi. Yokogiri. Tranchant de pied. Croise. Et si on peut retourner et pose. Regroupe. Change. Zenkutsu. Solide. Maigiri. Ich. Kukutsu. Intérieur du talon. Mawashi. Kibarachi. Tranche en pied. Kozarachi. Bien placer ce pied-là. Et si on peut, pourquoi pas, retourner yoi. Soufflez bien. On va reprendre une deuxième fois cet enchaînement. Je fais gaffe parce que c'est en train de tourner vite. Je parle un petit peu trop. Prêt ? Zenkutsu. Ich. Kokutsu. Ni. Kibarachi. Sa. Kozarachi. Chi. Changement de garde. Zenkutsu. Ich. Kokutsu. Mi. Kibarachi. Sa. Kozarachi. Chi. Yo. Ok. Ça fait deux fois. Et je pense que vous le faites en essayant de me regarder pour suivre mon commandement et copier les mouvements. Mais ce qui est intéressant, ce que je vous le disais tout à l'heure, Philippe en parlait tout à l'heure, c'est qu'à un moment, le karaté participe à votre travail de mémorisation. Ah, ok, tout seul. Oui, tout seul. Essayez de bien faire la consigne. Restez concentré, se souvenir et appliquer la consigne. Avec les athlètes, on travaille que ça chaque semaine. Je leur donne des consignes, ils doivent garder la concentration et appliquer la consigne à chaque fois. Donc, je dis rien. Vous allez essayer tout seul et vous me direz quand vous avez fini et vous pourrez, si vous voulez, rajouter un commentaire, genre trop facile, j'ai rien compris, j'y arrive pas, telle jambe, j'y arrive pas, j'attends vos commentaires. Vous vous mettez en yo-yo, tout seul, à Jimmy, et j'attends vos retours.
Voilà, je pense qu'on va arriver à la fin. N'hésitez pas à me dire quand vous avez terminé et me dire comment c'était, en espérant que vous n'ayez pas une coupure de connexion au même moment. Bonne sensation ce matin, nickel Philippe. On va essayer d'y aller doucement avec les étirements, hein, parce qu'il faut être cool sur les jambes. C'est pas grave si on monte pas trop haut. Mais passer les hanches, surtout passer les hanches, c'est ça qui est difficile. Et plus les années passent, et plus je me rends compte que moi, passer les hanches, j'ai de plus en plus de mal par rapport à autrefois. Claudine, une jambe est plus laborieuse que l'autre. Ouais, mais c'est pour ça qu'on essaie de faire les deux côtés dans un travail de fond. Il faut essayer de faire les deux côtés, parce que là, ça travaille beaucoup sur la coordination et puis équilibrer les choses. Mais après, on est tous meilleurs d'un côté que de l'autre. On est tous un peu latéralisés, sauf quelques exceptions. Et je crois que ton fils, Zachary, fait partie de ces gamins qui sont latéralisés, mais qui pourraient être, tu le dis. On revoit le premier enchaînement qu'on a fait. On revoit le deuxième enchaînement qu'on a fait. Dedans, il y avait du travail de fond, il y avait du travail des postures, il y avait du travail de jambes, il y avait du travail de bras, il y avait du travail de blocage, il y avait du travail de mémorisation. D'accord, Sophie, j'enchaîne quelque chose, mais pas sûr que ce soit conforme à la consigne. Vivement le retour au gymnase. Donc, on va reprendre simplement les deux enchaînements qu'on a fait ce matin. J'avais prévu un troisième travail, mais ça fait déjà 30 minutes qu'on est connecté. Et ceux qui connaissent pas le kata inpi, c'est pas grave parce que là, dans ce qu'on a fait, il y avait les trois postures de base, plus une quatrième qui est demandée à partir de la verte que je vous ai fait découvrir. D'accord? Il y avait les trois coups de pied de base, plus un quatrième un peu difficile au matin. D'accord? Et puis, il y avait tout un travail de perfectionnement avec deux blocages de base. Donc, ceux qui connaissent pas inpi, on s'en fout. Tout ce qu'on a fait, on était vraiment sur de la base. D'accord? Et c'était vraiment par rapport à votre niveau. Et puis, ceux qui sont bleu, marron, etc., comme par exemple Claudine, bon, on est dans toutes ces choses qu'il faut maîtriser à l'approche de la marron et surtout à l'approche de la ceinture noire. Tous les fondamentaux doivent être bien faits. Et puis, pour ceux qui connaissent NPI, je vous conseille de terminer après cette séquence par « je me mets un petit NPI » ou « je me fais un petit NPI » et je vérifie que la longueur des postures soit la même, qu'il y a un verrouillage des hanches, d'accord, que je ressente bien ma position Kosadachi, etc. Il y a plein de choses que vous pouvez transférer comme sensation dans NP, même si on n'a pas tout fait. Donc, on y va tous ensemble. On reprend une dernière fois à fond le premier exercice. Premier exercice, donc derrière, devant, Oitsuki, Yaku, Sotouke, bloc. Et ça, on va le faire 5 fois. Bref, le but, c'est qu'on termine en tirant un petit peu. Yoï. Ich Ni Sa Ti Go Lak Ich Ni Sa Ti Go. Troisième. Ich Ni Sa Ti Go. Ni, sa, chi, go. Cinquième et dernier. Ich, ni, sa, chi, go. Et Yann, referme le kata NPI, mais pour ceux qui ne connaissent pas le kata NPI, après cette séance, essayez de refaire ça tout seul, comme disait Philippe, de manière autonome, en ayant mémorisé. Ce serait pas mal, sans l'écran. Pourquoi pas tout seul, dans l'autre garde. Ce serait pas mal aussi. D'accord? Et maintenant, le travail de posture de base et le travail de jambes. Prêt? Zenkutsu. Maigiri. Ich. Kokutsu. Mawashigiri. Ni. Kibarachi. Yokogiri. Sa. Kosadachi. Retournez. Sans monter, changement de garde. Zenkutsu. Maigiri. Ich. Kokutsu. Mawashigiri. Ni. Kibarachi. Yokogiri. Sa. Kosadachi. Retournez. Yoi. Voilà pour ce petit moment.
Donc, je vous dis, n'hésitez pas à compléter tout seul par le fait de refaire ces enchaînements. Tout seul, peut-être votre corps, il est chaud. Je vous ai pris en main. Je vous ai fait faire 30 minutes, un tout petit peu plus. Peut-être pour vous revoir un des katas qui correspond à votre niveau de ceinture. Le premier, le deuxième. Votre corps, il est chaud. Vous avez développé des sensations. C'est peut-être le moment de vous faire un kata. Ceux qui connaissent, NP serait le bienvenu. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin, mais qui vont visualiser la vidéo et la faire ensuite tranquillement à la maison. D'accord ? À très très bientôt. On se donne rendez-vous mercredi matin prochain pour le cours karaté traditionnel. Et dimanche à 10h30, on essaie d'organiser en live un body karaté un peu familial, mais un body karaté pas un vrai, pas avec les vraies musiques, parce qu'on sait qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle musique sur YouTube. C'est pas possible, donc ce sera plutôt un petit body karaté rythmé où on apprendra tous une chorégraphie ensemble. Salut Claudine! Ouais, Nijushio, on retrouvait des choses dedans, effectivement, Philippe. Et Goujushosho aussi, un petit peu. Hein. Salut Philippe, salut Claudine. Ça marche. D'accord, donc passez l'info. Ce ne sera pas un vrai body karaté avec nos chorégraphies, comme j'aime le faire, et avec nos musiques que j'aime bien. Hein, ce sera plutôt, on va bouger tous ensemble, 30 minutes en famille. Je vous apprends quelques mouvements, on les enchaîne, et ensuite, j'envoie le lien avec la chorégraphie, avec la musique qui correspond, pour qu'il y ait une partie live et il y ait une partie envoyée comme on le fait pour toutes les filles du body karaté. Merci Sophie, bonne journée. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.